Sylvain a commencé sa carrière en sport automobile comme navigateur de Jean-Luc Aubry au rallye de Lorraine 1985. La même année, on le verra aussi aux côtés de Jean-Louis Riblet à la première ronde rupéenne. Mais son premier rallye comme pilote, c'est le 500 Nocturne 86. Au volant d'une Talbot Samba Rallye Groupe N, il remporte la classe. À ses côtés, son fidèle cousin Michel, bien sûr. Toujours fidèle à Peugeot, Sylvain, à cette époque-là, assouvira sa passion avec les sportifs de la marque. ...205 Rallye Groupe N... ...205 Rallye Groupe A... ...GTI 1600 et 1900 Groupe N et Groupe A. De 1992 et jusqu'en 2005, Françoise Vinel, sa fidèle compagne de 18 ans, sera dans le baquet de droite. Alors Sylvain, comment se présente ce domaine sportif de la Bresse? Apparemment, ça se présente pas trop mal, il fait déjà beau, et puis là, nous, on est là pour s'amuser aujourd'hui, on verra bien demain. Encore pas la 106? La 106 va bientôt être prête, normalement, pour Remiremont, ça doit être bon. Dans cette classe, 1300 cm3 de Groupe N, avec de très nombreux concurrents également au départ. En 1995, Sylvain crée au niveau national la première 106 XSI en rallye. ...39 rallyes. 25 victoires de classe. Voilà un bilan ne peut plus élogieux avec cette voiture.
Alors Sylvain Remy, comment s'annonce cette ronde européenne? Pour le moment, ça s'annonce bien, le temps est beau, on a préparé tout, ça doit être normalement ça doit être bon. Donc ça va donner dans les hauteurs de rue? Je pense, normalement ça doit donner. On connaît pas trop le parcours, mais ça doit aller. Bon, étant l'enfant du pays, ça devrait tourner quand même. Je pense, normalement, on va essayer, on va tout faire pour. Du monde dans la classe? Dans la classe, on est 4. 4, il doit avoir un forfait. On verra. Bon, enfin, je souhaite une bonne ronde européenne. Merci. De 1999 à 2004 allait être la période de la fameuse 205 Groupe F. Une auto que Sylvain affectionnait particulièrement, qu'il sentait bien et qu'il saura faire évoluer jusqu'au bout. Cette voiture restera sûrement sa monture favorite et on l'entend dire encore « Ah, la 205, c'est quelque chose ». rallyes, 48 victoires, seulement 4 abandons, voilà le bilan d'une époque qui restera sûrement un grand moment de sa carrière sportive automobile. On le verra aussi participer avec cette auto au final des rallyes de la Ciotat.
de Mazamé et de Limoges. La carrière de la 205 se terminera au Rallye Vosgien 2004. Mais en apothéose, puisque Sylvain gagnera ici le groupe F. En 2005, Sylvain décide de passer à la 206 16S, groupe F2000. Il montrera ici tout son savoir-faire dans la présentation impeccable de cette voiture. À ses côtés, c'est encore une Vinelle qu'on verra, mais cette fois Aline, la fille de Françoise. Bon, Sylvain, c'est la 20e européenne. Bah oui, la 20e, on est toujours là, quoi. Les vieux sont encore là. T'en as fait combien ? 19. J'en ai loupé une en 87 parce que j'avais vendu la voiture. Autrement, on est toujours là, quoi. Toujours fidèle au poste. T'as fait la première avec qui ? Avec Jean-Louis, non ? J'ai fait la première en tant que copilote avec Jean-Louis. Et puis après, j'ai fait avec Massamba en 85 ou 86. Et bon, ça a changé depuis, mais enfin... Ouais, ça a un peu changé, quoi. Ouais. Le parcours, c'est toujours le même. Hein. Voilà, les virages sont toujours là, c'est bon. Bon, la voiture, comment elle va ? Ben là, on a un nouveau moteur qui est arrivé. Hervé était le recherché dans la nuit de jeudi à vendredi, donc on a remonté hier. Et on verra ça demain soir. Ouais, on commence à avoir marqué un peu garage S Rémy, hein. Bah oui, depuis qu'on a repris le garage, quoi. On n'a plus trop le temps de courir, mais enfin ça reviendra. On peut pas tout faire. Avec cette voiture, il participera à 13 rallyes et remportera 5 fois la classe, notamment au Plénessime et à l'Ajolais de cette année. Mon ami Sylvain, nous sommes au rallye Ajolais. Comment ça se passe ? Pour le moment, ça va, il fait beau déjà, c'est déjà une bonne chose. Et puis on verra ça plus tard, hein ? On verra ça ce soir en arrivant, j'espère que ça va aller. Bon, il n'y a pas de raison. On peut être dans les 10 ici avec une auto comme ça ? J'espère, il faut, de toute façon, c'est... l'auto oui, après c'est le bonhomme, quoi. L'auto doit être dans les 10 de toute façon. On est là pour ça de toute façon, on verra bien. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Mademoiselle Vinelle à tes côtés ? Oh bah ça va, c'est elle qui me pousse. Hein. Quand ça va passer vite, elle m'engueule. Quoi. Ah ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Elle est pas facile. C'est les femmes qui dirigent. Hein. Voilà, maintenant c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. Les copilotes, on les fait pas parler souvent. Hein. Ah oui, c'est vrai. Hein. On donne toujours le beau rôle aux pilotes, mais bon, on sert quand même. De temps en temps. Comme pour coller, par exemple. Hein. Hein, par exemple hein. Bon, alors Sylvain, il m'a dit, j'ai une copilote qui pousse. Hein. Elle me pousse. Bah oui, parce que je crois qu'il manque un peu encore de confiance dans la voiture, donc on est un peu obligé de lui mettre des petits coups de pied aux fesses, quoi. Ça va. Il va moins vite qu'avant, ouais. Bah, il devient vieux, alors bon, il n'ose plus trop prendre des risques, j'ai l'impression. Hein.
C'est vrai, bien vieux. Mais ça se voit pas tellement, mais bon, c'est au volant, quoi. Ouais, ouais, ouais. Un peu moumou parfois. Hein. Il faut que les conditions soient vraiment optimales pour lui. Beau temps, pas d'attente au départ. Mais bon, le premier rallye de la saison s'est bien passé, donc on espère que ça va continuer. Sa dernière course sera le rallye de Lorraine, le 23 juin de cette année 2007. En 22 ans de compétition, Sylvain, qui a participé à pas moins de 209 rallyes, a remporté 117 fois sa classe. Pour tous ceux qui le connaissaient, et Dieu sait s'ils sont nombreux, il était l'exemple même de cette passion intacte pour le sport automobile à laquelle il donnait tout. Infatigable, il était également la cheville ouvrière de l'écurie Montefourche dans la préparation de la Rupéenne. Une course, sa course, qu'il affectionnait tant. Et encore, on pourrait en dire dans cet hommage que nous tenions à lui réserver ce soir. Mais le personnage était discret et il aurait sûrement été gêné par tous ces compliments qu'on lui fait. Alors Sylvain, reste comme ça dans notre mémoire. Et de la part de tous tes amis présents ce soir et qui te connaissent bien, nous te disons Hatchoum, chapeau l'artiste.